Hello à tous et bonjour, bienvenue dans ce Facebook Live. C'est le dernier de la semaine concernant les consultants techniques, donc Rémi Bédu, Guillaume Biojo et moi-même. Vous savez qu'on fait 3 Facebook Live par jour avec John Lawson, qui est notre spécialiste fitting, et Cyril Guazigo, qui est spécialiste en préparation physique, qui est le représentant TPI, Techless Performance Institute en France, que vous allez pouvoir rejoindre demain et dimanche à 10h. Ça va être votre réveil sportif du week-end. Mais là, je suis extrêmement heureux et très, très content parce que je suis en compagnie d'un autre spécialiste dans la préparation physique et également dans la nutrition. C'est un expert avec qui j'ai l'occasion d'échanger depuis plusieurs années maintenant. Il m'a aidé à multiples reprises dans ma préparation physique pour le golf. Et en même temps, la personne que je vais vous présenter est vraiment calée sur le plan nutrition. La semaine dernière, on a fait un Facebook Live sur tout ce qui se passait avant le parcours. Et puis, vous avez vraiment répondu présent. Vous avez adoré, en fait, ce Facebook Live. Vous avez adoré tous les conseils qu'on vous a donnés avec la personne que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis, vous avez répondu présent, nombreux, à vouloir refaire un Facebook Live pour savoir comment on devait s'alimenter et s'hydrater pendant le parcours. Donc, vous savez que sur le parcours, il y a un avant, pendant et après. Et donc, du coup, le but d'aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur le pendant, parce que la semaine dernière, on a vu que de faire avant, pendant et après, c'était très compliqué sur un Facebook Live de 45 minutes à 1 heure. Donc, on a vraiment évoqué tout le pendant. J'espère que vous avez apprécié. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez regarder dans la playlist qu'a créé le Journal du Golf. Donc, le Journal du Golf a créé des playlists sur la page Facebook. Au passage, on remercie le consultant technique qui est derrière l'ordinateur, Rémi Rivière, qui est là en même temps pour pouvoir checker tous les commentaires et vérifier que tout marche correctement. D'ailleurs, au passage, puisque je vois que vous êtes, ça y est là, vous êtes nombreux à vous connecter, est-ce que vous pouvez juste me faire un petit pouce bleu ou me marquer un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez, que vous me voyez correctement? Est-ce que vous pouvez juste me mettre un commentaire pour me dire c'est bon Lewis, tout marche? Comme ça, on sait qu'on peut démarrer avec succès et puis qu'on peut continuer ce Facebook Live sans forcément avoir à se soucier des problématiques techniques. Donc, comme je vous le disais, grande révélation aujourd'hui, l'invité qu'on accueille comme la semaine dernière, et puis là on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Raphaël Puech. Salut Raphaël, comment tu vas? C'est ça. Alors attends, ça bouge pas, je crois que j'ai un... Attends, est-ce que je l'ai? Ah mince, je l'ai pas. C'est pas grave, je vais te le trouver. J'ai pas droit moi. Non, si, j'ai un bouton spécial, mais en fait ma femme avait pas aimé, j'ai un bouton applaudissements et... c'est marrant, je te mettrai pour la prochaine, tu verras. Mais du coup, Raphaël, la semaine dernière, on a fait un super Facebook Live qui a duré 1 heure. Hein. On a parlé vraiment de l'avant-parcours. Et ce qui est fantastique à travers ces Facebook Live, c'est que bon, il y a le confinement, évidemment, qui met un petit peu le bal à tout le monde, mais c'est aussi une occasion de pouvoir s'améliorer dans pas mal de domaines auxquels, avant, on n'avait pas forcément le temps. Donc, c'est vrai que la nutrition, c'est probablement un des aspects du golf qui est, on va dire, le moins évoqué, et c'est celui qui est, pour moi, le plus sous-estimé. Parce que sur un parcours de golf qui dure 4 heures, c'est un sport où on doit avoir de l'endurance, on doit savoir comment s'entretenir, comment se préparer. La semaine dernière, tu as appuyé sur le point qu'il fallait être régulier tout au long de l'année et que ce n'est pas 24 heures avant un parcours que ça se prépare. Et donc, du coup, pendant le parcours, aujourd'hui, on sait que voilà, un parcours de golf, ça dure entre 3h30 et 5 heures, dépendant si vous êtes sur une partie de 2, 3 et 4. Et donc, du coup, durant ce parcours, il y a des mouvements. On effectue entre 10 et 16 000 pas environ. Et donc, on brûle des calories. On brûle des calories. Et puis, la question que je voudrais te poser aujourd'hui, Raphaël, à travers ces Facebook Live, c'est comment on peut maintenir une énergie constante à travers tout le parcours? Parce que moi, en tant que coach, ce qui m'arrive quand je vais sur le parcours avec mes élèves, c'est que souvent, il y a un pic de fatigue qui arrive sur la troisième heure, on va dire. Tu vois, quand les joueurs ont parcouru 9 trous, ils arrivent entre le trou numéro 10 et 15. Là, il y a un gros coup de fatigue. Et souvent, quand les joueurs font un mauvais coup ou un mauvais trou, ils s'orientent tout de suite vers une problématique technique. Ils pensent qu'en fait, ils ont effectué un mauvais coup parce qu'ils ont fait la mauvaise technique. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la technique peut uniquement répondre si le corps est présent et si le corps peut performer à haut niveau. Et la nutrition contribue énormément à tout ça. Ouais, je me suis arrêté d'un coup, parce que ça, il n'y a pas de questions, mais du coup, parce qu'en même temps, je suis en train de lire les questions et je vois qu'il y a le Journal du Golf qui est évidemment là, Rémi Rivière, qui dit bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier live de la journée, Wallace Golf Academy avec Raphaël Puech, expert en nutrition, qui va vous parler de nutrition sur le parcours. Donc, déjà, Raphaël, parle-nous un tout petit peu de ce qui se passe quand on est sur un parcours de 4 heures à 4 heures et demie, à contrario d'une séance de sport qui va peut-être durer une demi-heure. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, il y a, bon, des différences, elles sont multiples. On va parler des différences énergétiques, puisqu'en fait, c'est ce qui va conditionner principalement comment et quand on devra s'alimenter sur ce parcours de golf. D'accord? Donc, un parcours de golf de cette durée-là, on est sur des efforts d'endurance aérobie. Alors, je mets des petits guillemets à ça, hein, bien sûr, c'est en rien ressemblant à un marathon ou des choses comme ça. Simplement, comme tu le disais, il y a quand même une dépense énergétique significative puisqu'on bouge pendant 3-4 heures, on reste debout. Ceci dit, ni plus ni moins qu'un service en pleine saison pour un serveur dans un restaurant. Par contre, une différence majeure, une composante majeure à laquelle on pense moins, c'est la concentration. Okay? La concentration que demande le sport et la synchronisation et coordination que demande le swing, le putt et tous les mouvements golfiques, en fait, sont des choses qui vont demander, j'enfonce encore une fois une porte ouverte, mais demander une grosse contribution au cerveau, aux neurones. Et les neurones sont alimentés exclusivement par les. Par les pardon. Aucun problème, Message je que crois je qu'il y a un des vois petits problèmes de ressortir. son, c'est ouais, voilà, c'est ça, t'étais gêné un petit peu, Ouais, pardon. voilà, c'est bon. Vas-y, Mieux? vas-y. Ouais, c'est bon, Ok. c'est parfait. Donc les neurones sont exclusivement alimentés par les glucides, donc par les sucres. D'accord? Donc on en avait déjà parlé la dernière fois. La première chose sur le crush éventuel que peuvent ressentir certaines personnes à mi-parcours, on ne va pas revenir dessus, mais ça vient essentiellement d'un lifestyle à côté qui n'est pas forcément exemplaire. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui a une bonne alimentation, un rythme de sommeil constant et qui s'est alimenté dans les bonnes proportions avec les bons aliments le matin, la veille au soir, la veille au midi, bref, tous ces aliments qui sont encore en digestion. Rappelez-vous, on l'avait dit, la digestion, c'est 48 à 72 heures. Donc à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, vous investissez pour les 1, 2, 3 prochains jours. Il faut garder Waouh, ça en c'est tête. incroyable On n'est ça. pas juste en train, on n'est pas juste en train d'utiliser comme énergie. La pomme qu'on vient de manger avant, la barre de Snickers ou autre chose. Okay, il y a tout ce qui est en digestion dans notre tube intestinal. D'accord? Donc il y a tout ça et ça va venir essentiellement de ça, en fait. Tout ce qui est pré-entraînement. D'accord? Attends, ça, je voudrais juste soulever un point là, Raphaël. Ce que tu viens de dire quelque chose qui, je pense, va ouvrir les yeux à pas mal de personnes. Parce que tu vois, même moi, quand tu dis... ce que vous mettez dans la bouche va contribuer à, en gros, va influencer ce qui va se passer dans les 1, 2, 3 jours à venir. C'est absolument énorme ce que tu viens de dire. Parce que souvent, on pense que voilà, on mange quelque chose, on digère 45 minutes et on utilise l'énergie qu'on a de ce qu'on a mangé peut-être le matin. Et donc, les golfeurs sont souvent focalisés sur un bon petit déj le matin ou le soir d'avant. On a touché là-dessus évidemment la semaine dernière, on ne va pas revenir là-dessus. Mais 2, 3 jours avant, on se dit. Que ça peut influencer le parcours du week-end, ce qu'on a mangé le jeudi, quoi. Donc c'est absolument ça, c'est complètement dingue. Enfin, Tout tu vois, à moi fait. je pensais pas que la digestion allait sur autant de temps. Enfin, je pensais pas que ce qu'on pouvait manger aujourd'hui pouvait influencer ce qui va se passer dans 3 jours. Ça, c'est fou. Et pourtant, si. Alors, à plein de niveaux, alors là, on pourrait faire des lives de 2 heures dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la digestion, premièrement, elle va dépendre de ce qu'on mange. Hein. On l'avait dit la dernière fois, les lipides, donc les graisses, les fibres sont plus lentes à digérer que d'autres choses. Deuxième chose dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Alors, le métabolisme, en termes simples, c'est la capacité à produire et à utiliser de l'énergie. D'accord? Donc, métaboliser un aliment, c'est la capacité à ingérer cet aliment, en faire une forme de stockage énergétique, déstocker cette forme de substrat énergétique pour l'utiliser pour un effort. D'accord? C'est faire de cette pomme dans laquelle on a croqué du glucose pur pour que les cellules puissent l'utiliser. Si une cellule l'utilise et que c'est une cellule musculaire, elle est capable de se contracter. Si elle est capable de se contracter avec toutes ses copines dans le muscle, elle est capable de produire un mouvement. Ce mouvement peut être le swing dans le golf. Okay? Donc on comprend bien que la qualité de l'alimentation va complètement influer sur notre capacité à performer. Okay? Et ce, en effet, pas à 2 secondes près. Notre capacité à métaboliser, elle n'est pas aussi courte que 5, 10 minutes ou 1 heure. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'énergie qu'on a sur notre pas de parcours ne vient pas du jus de pomme qu'on a bu juste avant. Okay? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt avec ces jus, enfin, pardon, ces apports en glucides ou autres, dont on parlera juste après. Ils ont notamment un intérêt parce que la nutrition, ce n'est pas uniquement utiliser ces sources énergétiques, c'est aussi les signaux qu'on va envoyer à notre corps. Il faut comprendre que dès qu'on met quelque chose dans notre bouche, c'est une information.
Okay? Et quand on envoie une information à notre cerveau, regarde, je t'apporte des aliments, tous les feux sont au vert pour notre cerveau pour dire, ah cool, j'ai du stock, donc je peux utiliser mes réserves pour produire de l'énergie. Tu comprends un petit peu où je veux en venir? Donc, en réalité, la nutrition pendant le parcours, et même juste avant, elle est presque moins déterminante. Alors, attention, je prends des Alors, gants. ouais, parce que c'est là où il faut faire attention, parce que quand on commence à dire ça aux golfeurs, il ne faut pas que la première idée vienne en se disant, bon, bah finalement, le coca et le sneaker au début de la partie, il ne va pas forcément influencer ce qui va se passer pendant le reste. Donc, Ah, bon, si, bah, complètement. Alors, attention. quitte à ce que vient de me dire Raphaël, bon, bah, je peux manger tout ce que je veux pendant le parcours, ça ne va pas influencer autant que ce que j'ai mangé il y a 3 jours. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Hein, Alors, ouais, non, surtout pas. Pardon si je me suis mal fait non, comprendre. Ce mais que je c'est voulais parce que dire par là, peut-être c'est que que, certaines en personnes peuvent fait, l'entendre comme ça. ouais, alors, je vais préciser, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive dans un second temps, en fait. La vérité, c'est que si vous vous concentrez uniquement sur votre nutrition pendant votre parcours ou les 3 minutes qui précèdent le parcours et que vous ne faites pas gaffe le reste du temps, ça, on en a parlé la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus des heures, regardez le live la dernière fois pour comprendre un peu ce qu'on entend par faire attention et avoir de la On constance, mettra en plus, on eh mettra dans bien, le lien pour les personnes, ouais. ouais, voilà. Bah là, ce qu'on avait dit, c'est que vous mettez vos efforts au mauvais endroit, en fait. C'est que vous tirerez beaucoup plus d'avoir une constance nutritionnelle sur le reste de l'année. Pareil, référez-vous au live, vous verrez par constance nutritionnelle, on n'entend pas peser chacun de ces aliments et manger brocoli poulet à chaque repas, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Mais vous perdez, vous On vraiment a dit perdez burger, pas mal. pizza, non, C'est bon, pas besoin de le voir. Vous perdez pas mal de cordes à votre arc, d'accord? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la nutrition pendant le parcours a quand même son importance, évidemment. Pourcentage, Pour. Raphaël, tu peux nous donner un pourcentage sur l'influence de avant et pendant? Est-ce que si tu pouvais estimer sur l'importance et l'influence de la nutrition et de l'alimentation avant le parcours et pendant le parcours? Parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de le décrire comme une sorte de. Il y a deux vagues. Il y a la grande première vague Ouais. qui arrive avant le parcours, où là, on doit être vraiment prêt et on doit vraiment bien se préparer, qui va contribuer. J'ai l'impression, quand je t'entends, tu me corriges. Mais entre 60 et 70% du succès, et puis ensuite on a peut-être 20 à 30% qui vont contribuer à ce qu'on fait pendant le parcours, qui va influencer la performance. Alors, je vais même te dire, je vais répondre et je vais étayer un peu ma réponse parce que sinon, je sais comment ça va être reçu. Tu as dit même 20%. La vérité, c'est que la nutrition pendant le parcours et juste avant, elle va peut-être être même de 10 ou 5% d'importance. D'accord, OK? ok. Je déteste ces chiffres-là. Ça veut rien dire, en Bien fait. Pour sûr, bien certaines sûr. personnes, je vais te dire, ça fera même toute son importance dû à l'effet placebo. C'est-à-dire que tu as des gens, ils ont l'impression que tel produit ou tel aliment leur donne de la force et de l'énergie. Donc d'un coup, ça y est, ils ont du jus, c'est un effet placebo, mais c'est pas grave, ça fonctionne. OK? C'est comme si on n'arrêtait pas de répéter C'est à comme quand quelqu'un on a que parlé du la vitamine. chewing-gum la semaine dernière. C'est psychologique. C'est Voilà, un. ces rituels-là sont hyper importants. Donc dire que ça a 10% ou 20% d'importance, oui, mais pour qui? OK? Une fois qu'on a dit ça, l'importance est en réalité mineure par rapport à la constance qu'on devrait avoir nutritionnelle, comme on l'a dit, tout au long de la semaine, de l'année, pour pouvoir avoir, en fait. Enfin, un fitness et un niveau de santé global qui fait qu'on est capable de performer un peu n'importe quand. Maintenant, 5-10% de contribution à la performance dans ces cas-là, c'est déjà énorme. Et ça fait une différence déjà énorme. Donc il y a une vraie, vraie différence à faire sur son parcours. Okay? Pourquoi? La première, c'est pour la performance. D'accord? Donc on l'a dit. Majoritairement, ce qui va être utilisé comme monnaie énergétique, comme essence par notre corps, c'est pas ce qu'on vient de mettre dans notre bouche, c'est ce qui est déjà en substrat énergétique stocké. Okay? Cependant, on a dit aussi que ce qu'on apportait à un instant T envoyait un signal à notre cerveau pour lui dire, Hey, regarde, tu as du stock, je t'apporte des matériaux, tu peux fournir de l'énergie sans risque de déplétion. La deuxième chose très importante, ça va être la récupération. Okay? C'est qu'on entame déjà notre récupération pendant le parcours. Et tu l'as dit la dernière fois, il y a des gens, des parcours, ils n'en font pas qu'un seul par semaine, notamment lors de tournois. Et là, c'est capital de récupérer le plus vite possible et ça commence en amont pendant le parcours. Okay? Wow. Il faut aussi compter sur le fait qu'un parcours, tu l'as dit, dure entre 3 et 5 heures et que ce qu'on a commencé à consommer comme énergie la première heure va forcément influer sur les 4 heures suivantes. Okay? Là, on a le temps de métaboliser quelque chose et de fournir un substrat qui pourrait être potentiellement utilisé. Parce que D'accord? finalement, si pendant le parcours, on ne s'alimente pas de la bonne façon, ça va
influencer ce qui va se passer après le parcours et le lendemain. Si on part du principe que du coup, tout ce que tu mets dans la bouche va être du coup utilisé, influencé pendant les prochains jours à venir. Donc si un parcours de golf, on le met un peu de côté, on s'est dit, bon, bah, je me suis bien préparé avant, donc pendant le parcours, ça va. Le soir, il y a le gros coup de pompe qui arrive, le lendemain matin, il y a la fatigue, on a moins bien récupéré, donc on est moins performant le lendemain et les Alors, deux, trois jours qui suivent. ouais, c'est un peu, et en même temps, on comprend, hein, c'est un peu l'erreur souvent faite de dire, bon, bah, puisque je bouge et que je fais du sport, ou que je golfe, je mérite de manger, tout et n'importe quoi. En fait, la réalité, elle est inverse. C'est plus vos efforts sont importants, conséquents, et en plus, comment dire, ont de l'importance pour vous, plus vous devez vous nourrir bien, parce que plus ça va impacter, plus votre corps aura besoin de bonnes choses, en fait. Puisque vous lui en demandez plus à votre corps. Et Complètement, c'est ce je te shift rejoins. qui est un petit peu à opérer parfois. Et pareil, hein, je me répète, mais je vous réfère au premier live où je veux surtout pas qu'on entende par qualité alimentaire, etc. Comme on a dit, brocoli vapeur et poulet vapeur, et c'est tout. C'est pas Alors du tout ce justement, qu'on est. Raphaël, il y a une question là. Il y a une question de la part de Martha, parce qu'on veut aussi pouvoir répondre aux questions de la part de l'audience qui est là et qui peut-être a Yes. des questions auxquelles on pourrait répondre simplement, mais. Martha qui dit, y a-t-il des interdits? Donc tu viens de dire la semaine dernière, voilà, on a dit que voilà, brocoli, poulet, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Martha qui dit, y a-t-il des interdits aliments ou boissons nuisibles? Alors bon, déjà ça va être individualisé, mais bon, en règle générale, des interdits. Bon, après, il y a le bon sens, c'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites un poulet rôti sur le parcours, ça va, vous n'allez pas digérer C'est compliqué correctement. déjà, c'est compliqué de faire un Voilà, poulet. ça va être compliqué. Non, mais en réalité, on en a discuté un petit peu la dernière fois, mais tu parlais notamment du fait qu'à mi-parcours, le grand classique, c'était un Twix, un Mars, éventuellement une Voilà, bière et pour c'est là où certains, et finir par. Frédéric Sentier qui est en train de commenter, qui dit quoi manger pendant le parcours, le fruit, sandwich, point d'interrogation, donc le sandwich. C'est le classique, si tu veux, Raphaël. Les joueurs font les 9 premiers trous, les 9 premiers tours ramènent au clubhouse. Quand on est en clubhouse en France, on va au clubhouse et souvent on va au bar. Et en fait, c'est une question de rapidité aussi. C'est-à-dire qu'on a 5 à 7 minutes entre le trou numéro 9 et le trou numéro 10 pour aller chercher un petit truc à manger si on ne s'est pas préparé avant. Et c'est le but de ce live aussi, c'est de pouvoir donner quelques astuces et des tips pour pouvoir peut-être mieux vous préparer avant, amener quel type de snack on peut amener pour justement éviter d'aller au trou numéro 9 et faire n'importe quoi. Mais souvent, la routine, les joueurs, c'est je vais au trou numéro 9, je prends un sandwich, un coca et un Mars ou un Twix et boum, et là je retombe sur le trou numéro 10 et c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe, Raphaël, quand on fait ça? Quand les amateurs font ça, quelle est la Alors, conséquence? bon, déjà, c'est facile de comprendre qu'en 5 ou 7 minutes, vous n'aurez pas le temps de digérer un sandwich et un Mars. Simplement pas le temps. Donc, ce qui se passe, c'est que 7, 9, 10 minutes après, quand vous êtes de retour sur votre swing, l'énergie qui devrait être allouée à votre concentration et à votre mécanique de swing, elle est en partie allouée à votre digestion. Okay? Et si elle n'est C'est pas allouée à votre très digestion, important, ça, Raphaël, ce que tu es en train de dire. Tellement important. La concentration, le focus, parce que ça, c'est primordial pour effectuer un coup de golf avec succès. L'importance, le focus qu'on doit mettre dans le coup qu'on doit être en train d'effectuer, on n'est pas à 100% parce qu'il y a un pourcentage de ce focus qui est maintenant tourné vers la digestion. complètement. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, mais qui va parler à tout le monde, pour rentrer dans un truc qui n'est pas trop technique, vous avez 5 litres de sang en moyenne pour la plupart des individus. Si une partie de ce sang est dans le tube digestif pour pouvoir apporter les matériaux nécessaires à la digestion, les enzymes, les choses comme ça, bah, il n'est pas dans vos muscles. Et par essence, vous aurez une coordination qui en sera amoindrie. Alors, il sera toujours dans votre cerveau, vous inquiétez pas, ça c'est un truc qui ne bouge pas. Sinon, plus pour certains que pour d'autres apparemment, mais sinon ça serait. Mais ce qui est sûr, c'est que votre énergie, votre sang et toutes ces choses-là vont être dispatchées différemment. Okay? Donc en fait, on peut faire un peu du rétro-engineering et se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme aliment qui va nous fournir de l'énergie ou du moins un signal énergétique direct, sans nous demander un effort digestif conséquent qui va biaiser notre performance et nous faire avoir une chute de rythme, C'est sans parler exactement des ça. C'est hypoglycémies. exactement ça. Ouais, c'est quels Alors, sont finalement les aliments, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir garder le plus de pourcentage possible dans le focus, dans la performance du coup qu'on est en train de jouer, et d'alloquer le moins possible de pourcentage vers la digestion
Et tout ça, quoi. Donc, ouais, donc vas-y, excuse-moi. Complètement. Bon, J'essaie de résumer, voilà. simplifier, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent aussi, hein, Ouais, c'est tu top. fais bien, tu fais bien. On parlera de l'hydratation après, hein, qui est capitale Ouais. là-dedans, mais pour commencer par ça, alors, on pourrait penser à plein d'aliments, hein, mais un aliment efficace que tout le monde connaît, ça va être les fruits secs. Ok, enfin une source d'aliments. Les fruits secs, pourquoi? Bon, déjà parce que c'est transportable facilement, d'accord? C'est Donc sec, avant le donc il n'y a parcours, pas. supermarché le jour d'avant, c'est après quoi? Des abricots secs, Des des... abricots secs, des figues séchées, des raisins secs, des. Bref, j'en passe, d'accord? Des bananes séchées, des choses comme ça. Enfin, pas mâchées du tout, même. Hein. Donc, ça, c'est un truc qui se conserve chez soi sans problème. Et ça, sans Attention à sortir une éviter autre. ceux qui sont... Parce que des fois, ils en vendent au supermarché, dans les... tu sais, très sucré finalement, tu sais, les bananes. Des fois, En sirop, ouais. Ouais, voilà, donc il faut Non, faire non, je vous attention parle de fruits secs, secs. Ouais, fruits secs secs, hein. Pas retravaillés, pas, voilà, pas avec plein de sucre, retravaillé, que ce soit machin. Ok, Complètement. j'ai compris. Donc ça, c'est un concentré d'énergie, de vitamines et de minéraux du fait que ce soit déshydraté qui est hyper intéressant. Ça ne demande pas un effort digestif de ma boule. Alors, si vous mangez 2 kilos de pruneaux séchés, ça va mal se passer. C'est pareil, un peu de bon sens. Espérant qu'il y a des toilettes sur le parcours. Ouais, non, je suis pas sûr que ça se passe bien. Donc on n'est pas sur des quantités astronomiques. Vous n'avez pas besoin d'énormément, mais une petite poignée de fruits secs à mi-parcours, ça devrait largement vous suffire. Si le reste de votre nutrition en temps normal est optimisé, ça devrait largement vous suffire. Votre corps devrait être habitué à se servir de cette source d'énergie et que ça lui suffise. OK? Comment un golfeur, Raphaël, sur le parcours, donc il a son paquet de fruits secs, Ouais. comment est-ce qu'on peut développer une meilleure prise de conscience sur le parcours pour savoir à quel moment on doit... Parce que, tu sais, bon, voilà, il y a des spécialistes qui commencent à donner des règles, tous les trois trous, etc., machin, bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est développer la prise de conscience, finalement, d'être très à l'écoute de son corps, de comprendre comment il fonctionne, et de se dire, OK, à tel moment, je vais commencer à consommer les fruits secs ou boire de l'eau, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette prise de conscience sur le parcours? Bon, alors, on part du principe que les règles exposées dans le premier séminaire qu'on a fait, webinaire, pardon, et ont été respectées. Donc, on arrive sur le parcours avec toute l'énergie nécessaire. Parce que petit déjeuner et ou repas la veille, etc., ont été optimisés pour. OK? Donc, à partir de là, l'hydratation, elle va être capitale. Mais pour parler juste d'alimentation, vous n'avez pas forcément besoin, sur la première heure, de vous alimenter. OK? Après, il y a deux écoles. Tu as des gens qui vont parfaitement performé en juste à mi-parcours, prenant ces quelques fruits secs, éventuellement quelques amandes et des choses comme ça, et ça se passera très bien, d'accord? Et tu as des gens sur 5 heures de parcours, et ça se comprend, qui vont avoir besoin de s'alimenter un tout petit peu plus souvent. Donc ça pourrait être, allez, deux fois, trois fois, mais vraiment par petite quantité à chaque fois. Voilà, faut trouver le juste milieu, là c'est de l'individualisation aussi, hein. Non, Il y en non, mais a c'est top ce que qui. tu fais, Raph, parce que tu vois, il y a une personne qui s'appelle Laurent Martin qui vient de poser la question auquel tu viens de répondre. On réduit les quantités et on mange et boit plus souvent, par exemple, tous les deux trous. Alors, bon, on va pas parler de trous, mais là, tu viens de répartir en disant, voilà, si déjà vous mangez deux, trois, peut-être quatre fois sur le parcours, des petites quantités, ça va vous permettre de garder votre focus à 100% dans le coup que vous êtes en train de jouer. Et plus vous allez manger en grande quantité et on va dire une fois sur le parcours, plus vous allez avoir une certaine partie de votre focus qui va commencer à se focaliser sur la digestion, et c'est là où c'est moins bon. Donc petite C'est ça. quantité, Mais, plus de focus. alors, ça dépend aussi du quoi, mais on peut comparer ça à un feu, okay, qu'on essaierait d'entretenir. Si sur ce feu que vous essayez d'entretenir, vous rajoutez une grosse bûche d'un coup, bah, la bûche, elle va se consommer, hein. Il n'y a pas de souci, ça fera des flammes, mais l'énergie qu'il faut pour la consommer est assez importante. En revanche, si vous rajoutez de temps en temps quelques bois, c'est beaucoup moins énergivore et le feu sera tout aussi bien entretenu. Alors attention, je ne dis pas de compter ces raisins secs et d'en manger un toutes les 3 minutes. Je dis simplement éviter le gros gueuleton à mi-parcours, si vous, je vais le dire autrement. Pour des gens qui arriveraient à mi-parcours et ils ont eu vraiment la dalle, c'est-à-dire qu'ils se sont préservés pour cette petite collation de mi-parcours, non, ça ne devrait pas être le cas. Vous devriez, pendant, avoir déjà consommé quelques raisins, encore une fois, quelques fruits secs, quelque chose comme ça, sans les consommer toutes les 10 minutes. OK? Après, les gens qui tiennent jusqu'à mi-parcours sans problème, qui prennent cette pincée de fruits secs et qui peuvent repartir derrière, normalement, il n'y aura pas de souci. Je rappelle aussi autre chose qu'on avait dit la dernière fois, c'est pour démonter cette fausse croyance de si je débute une épreuve sportive en ayant faim, c'est un problème. Et on avait dit que c'était un peu faux, parce qu'en réalité, le fait d'avoir faim avant une épreuve, ou au début d'une épreuve, c'est que notre tube digestif, enfin notre estomac, a été déserté de tout aliment, ou presque tout aliment.
Okay, c'est comme ça, entre autres, que les signaux de la faim interviennent. Donc il est prêt à Donc, si ça... performer. ben, c'est surtout que c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le sang, du coup, n'est plus alloué à un effort digestif et le sang peut être dirigé vers les muscles et l'énergie aussi, et non vers la digestion, pour pouvoir performer. Raph, c'est incroyable les infos que tu es en train de partager avec nous là. Non, mais vrai, c'est, tu vois, juste même moi en t'écoutant, il y a des choses que j'apprends, que je dois transmettre à mes élèves et tout ça. Donc c'est juste des mines d'or. Et encore une fois, je le dis, la nutrition, c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé. Et quand on écoute Raphaël, on peut vraiment comprendre l'importance et l'influence sur nos performances quand on s'alimente bien ou mal. Donc du coup, pour le coup, c'est vraiment top. Alors, Raphaël, alors évidemment, ça va être personnalisé selon le poids. Tu l'as dit tout à l'heure, le poids ou l'énergie de la personne. Mais il y a une personne qui dit, c'est quoi une petite quantité? Une question de la part de Claude Ganimed qui nous dit, c'est quoi une petite quantité? Donc on est sur le parcours, on a compris que c'est... Voilà, donc c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est une pomme de main? Un fist? Un poing? Très bien. D'accord, ok. Donc on va dans le sac et boum, à partir du moment où on a rempli le Les pec mains, de c'est la pratique. main. A priori, on les a toujours sur nous. Et en plus de Surtout les ça, en tout golfeurs. cas, hein? Surtout les Surtout chez les golfeurs. golfeurs, ouais. Et en plus de ça, elles sont proportionnelles la plupart du temps à notre taille et à notre gabarit. Donc, votre unité de mesure, elle est là. Ok, cool. Alors, on Il parle de faudrait notre... qu'on parle un peu d'hydratation. Bah justement, Yann Barry, il commente, il nous met un commentaire en nous disant, faut-il s'hydrater sur chaque trou? Point d'interrogation. Personnellement, je le fais après chaque départ. Alors, juste avant ça, Raph, je voudrais te donner, alors là, c'est plus l'astuce du golfeur, hein, mais c'est plus une question de stratégie, parce que moi, ça m'est souvent arrivé, alors tu connais mon physique, hein, je fais un 90, je pèse pratiquement 100 kilos, j'arrive sur le parcours, si je n'ai pas mangé dans les 9 premiers trous, c'est soit j'arrive au trou numéro 9 et que là, j'ai une grosse faim et c'est juste à l'américaine, donnez-moi ce que je peux manger tout de suite rapidement, un sandwich ou plus encore. Et si j'ai pas mangé pendant tout le parcours, l'estomac à la fin, il part complètement en vrille, il a envie de manger tout et n'importe quoi. Donc, la petite stratégie, je dirais que avant d'arriver dans cette situation-là au trou numéro 9, c'est peut-être d'arriver sur le trou numéro 6 ou 7 hein, et de là prendre une bonne poignée de fruits secs hein, pour que lorsque vous arrivez au trou numéro 9, finalement, le trou numéro 9, c'est un passage. C'est pas juste la mi-temps où vous avez pris l'habitude de vous arrêter et aller au bar, au restaurant. Si vous mangez juste avant d'arriver à ce moment-là, ça va en quelque sorte. Tu sais, tu parlais de l'effet placebo. C'est plus un truc psychologique, mais moi je trouve personnellement que quand j'arrive sur le parcours au trou numéro 9 et j'ai pas faim, bah du coup j'ai pas envie d'aller au bar et aller chercher voilà les barres chocolatées, le truc, enfin les trucs qui vont pas forcément m'aider pour le retour. Donc encore une fois, c'est peut-être plus une stratégie pour le mental, mais tu vois c'est quelque chose qui peut peut-être quelque chose à prendre en compte et à considérer. T'es d'accord avec ça, Raphaël? D'ajuster complètement en fonction de ton poids, c'est ce que tu voulais dire, en quelque Non, sorte. ouais, non, enfin, de dire que voilà, si la personne a pris l'habitude de s'arrêter au trou numéro 9 pour aller prendre son sandwich et tout ça, que le fait de manger peut-être, tu vois, au trou numéro 6 ou 7 pour couper en quelque sorte la faim psychologique, le fait d'arrêter, tu vois, enfin, on a parlé de l'effet placebo que tu vois tout à l'heure. Et que ce soit une stratégie d'arriver au trou numéro 9, où finalement le trou numéro 9 c'est juste un passage, c'est pas un temps d'arrêt, c'est juste un trou comme un autre. Et puis si on a mangé juste avant, on a moins l'envie et le besoin d'aller au restaurant pour aller chercher un gros sandwich avec la baguette, avec Voilà, la boisson. ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, il va falloir un petit peu que vous expérimentiez ce qui fonctionne pour vous. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite en disant vous arrivez, vous êtes à 10 mètres du cinquième trou, c'est là qu'il faut manger 16 grammes de raisin. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si on est 7 milliards sur Terre, et si on avait la réponse universelle, on serait Bien sûr, très, 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 très riche, mais ça ne marche pas. Donc non. Il faut ouais. Ok, top. expérimenter un Alors, peu. hydratation maintenant. Passons sur le côté hydratation. Donc, Yann Barry, on va retourner sur la question. Faut-il s'hydrater? S'hydrater. Hydratater, Tu ouais. vois, peut-être que j'ai besoin de m'hydrater, moi. Sur chaque trou, personnellement, je le fais après chaque départ. Alors, bon, les grandes règles de l'hydratation, pardon, du sportif, bon, évidemment, déjà, c'est une quantité d'eau qui va être beaucoup plus importante qu'une personne sédentaire. Donc, il faudra faire attention à ça. On peut juste partir autour de l'activité déjà. Vous pouvez considérer que vous pouvez boire environ un demi-litre d'eau 2 heures avant l'activité. OK? Donc ça peut déjà vous aider à bien performer. Ensuite,
10-20 minutes avant l'activité, vous pouvez consommer 200-300 ml d'eau. Toujours dans le cadre où votre hydratation globale serait bonne. Et puis après, pendant le parcours, allez, en fonction de la chaleur et tout, bien sûr, ça va changer, mais en règle générale, environ 200 ml toutes les 15 minutes, ça me semble pas mal. Okay? Après, chacun a leur repère. Un repère comme celui-là, dire voilà, à chaque départ, je prends 3 gorgées. Très bien, très bien. Pour résumer, sans donner des quantités précises, buvez régulièrement et buvez tout au long de l'activité. N'attendez pas d'avoir soif. Pareil, évitez l'inconfort digestif en défonçant une bouteille d'eau d'un coup. Mais quelques gorgées toutes les 10-15 minutes, ça suffit. Ça suffira largement. Donc mais faites-le en amont. Une fois que la déshydratation est arrivée, c'est trop tard. La réponse contribue à la question de Martha Piquet qui dit « Il faut que ça fasse partie de la routine pour l'interrogation. » Donc là, je vais répondre en tant que coach. Et je vais rebondir ce qu'a dit Raphaël, qui donne ses consignes de boire souvent et de justement éviter de prendre la bouteille et de juste descendre une bouteille en un coup. Encore une fois, c'est pour garder le focus sur le coup qu'on est en train d'effectuer et pas sur le reste. Donc, ça peut faire partie de la routine à la fin d'un trou. Et puis moi, ça m'est déjà, d'ailleurs déjà arrivé dans quelque sorte de... Vous savez, ce qui est important dans le golf, c'est le coup qu'on est en train d'effectuer. Et donc souvent, on est soit dans le passé en train de penser au coup qu'on a effectué avant ou qu'on a loupé, ou soit dans un avenir qui n'existe pas encore. Donc la chose la plus importante à faire, c'est d'avoir des stratégies qui vous permettent de rester dans le moment présent. On en a parlé avec Antoine Rosner la semaine dernière, joueur du circuit européen, de certaines stratégies qu'il utilisait à la fin de chaque trou pour lui permettre d'oublier ce qui vient de se passer, ou en tout cas de passer au prochain coup qu'il devait effectuer. Donc le fait d'utiliser la bouteille d'eau que vous avez dans votre sac, vous voyez, moi j'utilise... J'ai toujours cette bouteille d'eau. Je n'utilise pas de plastique. J'essaie d'éviter complètement le plastique maintenant. Donc, j'ai cette, je ne sais plus comment, gourde isotherme peut-être, ça s'appelle, Raphaël, mais en tout cas, voilà. Je remplis constamment cette bouteille. Juste avant d'aller sur le parcours, je la remplis à fond. Et en fait, à la fin de chaque trou, je sors ma bouteille qui fait à peu près un peu plus d'un litre. Et là, je prends une toute petite gorgée à la fin de chaque trou, ou une bonne gorgée, dépendant de la fatigue que j'ai ou la chaleur aussi. Et ça va être une sorte, en quelque sorte, une sorte de remise à zéro de la performance. Donc, tout ce qui s'est passé avant, c'est le fait de boire une petite gorgée d'eau, ça me permet de dire, OK, c'est bon, c'est quelque chose de mental, et en même temps, ça m'aide sur l'aspect physique. Donc, pour répondre à Martha, tu as le côté Raphaël qui te donne le conseil de boire régulièrement en petite quantité sur le parcours. Et moi, je te dis que tu peux aussi utiliser ça dans ta routine pour te permettre en fait de remettre les compteurs à zéro et de rester dans le moment présent. Ouais, et pour donner une petite astuce, puisque je sais que les gens aiment bien ça et pour le coup, ça fonctionne assez bien. Dans cette eau-là, vous pouvez éventuellement mettre un peu de citron pressé et du sel d'Himalaya. J'adore le citron pressé dedans. Ouais, ça c'est super. Ouais, alors, ouais. Pour deux raisons. Bon, le citron pressé, c'est quelque chose qu'on conseille notamment le matin, puisque ça apporte une acidité sur un estomac vide qui stimule les sucs gastriques et qui permet une bonne digestion le reste de la journée. Là, a priori, vous êtes à un moment où vous êtes déjà dans votre journée, donc c'est pas tellement l'argument, donc j'y viens après. Les sels d'Himalaya. Donc c'est notamment si on joue et qu'il fait chaud et tout, on va beaucoup suer. Donc qui dit sueur dit perte d'eau, dit perte d'électrolytes. Ok? De minéraux, de vitamines, etc. Le sel d'Himalaya est très chargé en minéraux, en électrolytes. Il a l'avantage aussi d'être moins toxique parce que moins industriel que le sel classique. Donc, préférez le sel d'Himalaya, vous savez, c'est le sel rose que vous pouvez utiliser. Le citron, en l'occurrence, donc on a certains avantages, un apport en vitamine C, etc., très important pour le système immunitaire, mais là, ça va être surtout pour le goût. C'est-à-dire que de l'eau au sel, bon, c'est pas forcément agréable. Surtout pendant 5 heures, donc voilà, presser un citron. Alors combien, tu dis du sel de l'imam, moi c'est pas la première fois que j'entends ça, surtout c'est quelque chose que j'avais entendu quand on a un long vol par exemple, et que du coup voilà, c'est quelque chose que j'avais entendu était une bonne chose à faire après un vol ou même pendant. Donc quelle est la quantité qu'on doit mettre sur une bouteille de 1 litre par exemple ou 1 litre 5, combien de... Une pincée, okay. Une bonne pincée, okay. Ouais. Dans ton shaker, je mettrai une pincée. Une pincée. Sur une bouteille de. Alors, il y a une question là, donc un petit peu, on dévie un petit peu du. Enfin, on ne dévie pas du sujet, mais on parle de nutrition, alimentation. Mais une question de Christophe Lacroix qui dit: quels sont les conseils pour les juniors? Point d'interrogation. Est-ce que c'est différent pour adultes ou est-ce que c'est différent des adultes? Non. Okay. Non, ça va pas être différent des adultes. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que.
Junior, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ce qui va différencier les gens, c'est en réalité leur gabarit. Donc, si on tombe sur quelqu'un de 15 ans qui fait déjà 1,80 m pour 75 kilos, on ne peut pas dire non, mais les juniors, il va s'alimenter, s'hydrater différemment qu'un adulte si on le compare à un adulte qui fait 1,70 m pour 60 kilos. Donc, c'est du bon sens par rapport au gabarit de la personne en réalité. Génial, génial. Alors, Bon, là, Raphaël. après, les juniors, les adolescents, ils ont quand même une capacité à digérer un peu tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'ils digéraient une porte de bagnole. Donc c'est sûr que c'est plus facile de ce côté-là. Et en fait, c'est pas ça, c'est que les juniors, je pense qu'il y a tellement plus à faire à déjà leur instaurer le reste de la nutrition le reste de l'année que de commencer à leur casser la tête à la nutrition pendant un parcours. Parce que ça, c'est créer des problèmes pour plus tard. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, Martial Clément qui pose la question suivante, et ça c'est très, très, c'est incroyable qu'il pose cette question parce que ma femme, hier soir, a voulu que je bois la chose suivante, et donc je voudrais avoir ton avis, et si elle écoute ma femme, je voudrais bien qu'elle écoute Oula. aussi, parce que là pour le coup, on s'est un petit peu battu sur le sujet, alors je ne vais pas dire pour le pour et le contre pour l'instant, qui était pour le pour et l'autre, je vais attendre ta réponse. Martial Clément qui dit, et le vinaigre de cidre, c'est bon aussi? Point d'interrogation. Alors c'est pareil, le vinaigre de cidre, ça a une capacité à faire baisser l'index insulinique du repas d'après, donc en fait de faire baisser la réponse insulinaire d'un repas. En gros, ça stabilise notre glycémie, en gros, ça stabilise notre état de forme tout au long de la journée. Okay? Pareil, oui, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne très bien dans le cadre d'une nutrition déjà optimisée, donc ça fait partie de ces petits trucs qui sont un plus, Mais ça, mais qui aide dans sont un la plus quand même. digestion. Ça aide dans la digestion. Oui, si tu veux, ça aide dans la digestion. En fait, ça aide à ce que si je prends un exemple extrême, si tu consommes une baguette de pain, d'accord, tu vas ingérer beaucoup de glucides d'un coup. Ok? À beaucoup de glucides ingérés d'un coup, il va y avoir une sécrétion d'insuline par ton pancréas. Le pancréas est là, d'accord? Ici, ça va sécréter pas mal d'insuline. Pourquoi? Pour permettre aux glucides de pénétrer efficacement dans les cellules, pour pas qu'ils restent dans le sang. Parce que s'il y a trop de glucides dans le sang, ça en jette certains problèmes qui, à la longue, peuvent mener à du diabète ou, par extension, la mort. Okay? Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, l'insuline va servir à ça. Donc, l'insuline n'est pas une mauvaise chose. Hein. L'insuline est juste présente pour nous aider à métaboliser ces glucides. D'accord? Sauf que trop d'insuline sécrétée, en trop grande quantité, vont épuiser peu à peu le pancréas et mener à du diabète. Mais à court terme, ce qui se passe, c'est que l'insuline, comme elle fait baisser très vite la quantité de glucides dans le sang, on se retrouve avec. On pique un petit peu du nez après un repas riche en glucides. Donc, plus on a consommé un repas riche en glucides, pardon, mais surtout qui n'est pas mélangé en fait, qui n'a pas de choses qui ralentissent la digestion, c'est pour ça que j'ai pris cette baguette de pain, plus notre glycémie va monter et plus pouf, elle va baisser fort et d'un coup parce qu'il y aura beaucoup d'insuline. Le vinaigre de cidre est là pour permettre de réguler un petit peu cette réponse d'insuline. Donc, en gros, que notre piquage du nez derrière. On appelle ça l'hypoglycémie réactionnelle, soit un peu moins importante. Okay? Donc, oui, utile, mais c'est un pansement sur une plaie ouverte si c'est pour ne rien changer à ses habitudes derrière. Raphaël, c'est top. Écoute, ça fait 40 minutes qu'on est en live. Je voudrais Ça va que. vite, hein? Ouais, ça va super vite. Et je remercie toutes les personnes qui sont connectées, qui ont mis vraiment, qui ont posé des superbes questions et tout ce que tu as partagé avec nous, Raphaël. Je sais que c'est compliqué de faire un résumé, mais en gros, là, sur un parcours de golf, voilà, si on devait résumer un tout petit peu sur les 40 minutes de live qu'on vient d'effectuer, quelles seraient les consignes du coach Raphaël, l'expert en nutrition? Hydratez-vous fréquemment tout au long de l'activité physique par petites gorgées. Éventuellement, dans votre boisson, mettez du sel d'Himalaya et du citron. À mi-parcours ou un peu plus fréquemment si vous en ressentez le besoin, prenez quelques fruits secs par petites quantités, histoire de vous garder en éveil et de permettre une récupération optimisée derrière. Top. Et tu sais quoi, Raphaël, alors je sais pas si tu vas l'entendre parce que du coup tu entends le Skype et j'ai trouvé le bouton applaudissement. Tu l'as entendu ou pas? Non. Bah, tu le reverras en replay, j'ai trouvé un bouton applaudissement dans le logiciel. Donc tu Top. le verras en replay, je te l'enverrai à la fin. Un énorme merci à toi, Raphaël. Déjà Avec par grand rapport au plaisir. live de la semaine dernière et au live d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ces deux lives qu'on a effectués. Dans la playlist, en demandant à Rémi Rivière qui s'occupe de la partie technique, on va les rajouter dans la playlist préparation sportive.
Donc, je sais qu'il y en a qui suit ça. Et donc, pour le coup, on va rajouter ces lives dedans. Comme ça, les gens, vous allez pouvoir retrouver cela facilement. Et encore une fois, en tant que coach, je ne peux pas le dire assez. Vraiment, faites attention à la façon où vous allez approcher votre stratégie nutritionnelle parce que ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très sous-estimé. Je le sais parce que j'ai effectué des dizaines de stages à l'étranger où j'ai l'occasion d'accompagner des amateurs pendant 5-6 jours. Et je vois en fait comment ces amateurs se comportent sur le parcours nutritionnellement parlant. Et donc on est un petit peu, voilà, on pourrait faire des choses meilleures. Et quand les golfeurs savent que cela contribue à la fois à rendre leur score meilleur et à améliorer leur vie, du coup, voilà, ça nous incite à prendre des meilleures décisions quotidienne. Donc c'est pour ça, Raphaël, que c'était vraiment très important pour moi de t'inviter et que tu puisses partager toute ton expérience Merci. et tes expertises avec toi. Alors, pour les personnes qui souhaitent bénéficier du coaching de Raphaël, Raphaël, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 2-3 ans, qui m'a coaché pendant un long moment à distance, parce que comme je vous l'ai dit, j'effectue beaucoup de stages par l'étranger, etc. Donc Raphaël a pu vraiment m'aider à distance. Donc si aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation où vous n'habitez pas à Boulogne-Billancourt, c'est là où Raphaël en fait exerce la majorité du temps, mais pas seulement. En fait, il a des clients qui l'accompagnent, qui sont partout en France. Raphaël, est-ce que tu peux dire à l'audience où ils peuvent te trouver s'il y a des personnes qui souhaitent bénéficier non seulement de tes expertises en nutrition, mais également en préparation physique? Est-ce que tu peux nous dire ça? Ouais, alors là, je suis très actif sur Instagram. Enfin, très actif. Je suis actif sur Instagram. Donc, vous pouvez me trouver à Raphaël-du-bas l'atelier fit en un mot. Donc, LATELIERFIT, un atelier fit. Sinon, oui, vous pouvez me trouver là-dessus, essentiellement. C'est le plus simple. Envoyez-moi un petit message sur Instagram. Je ne sais pas si tu peux mettre T'as un mail aussi le. où on peut te contacter au cas où? Est-ce que tu as une adresse mail? Ouais, vous pouvez me donner un mail sur raphaël.puech, PUECH, @gmail.com, tout simplement. Ok, parfait. Et honnêtement, je vous conseille de le faire, tester au moins un mois. C'est ce que j'ai fait au début. Je me suis dit, tiens, je vais tester un mois avec Raphaël, je vais voir comment ça se passe. Et je crois qu'on a travaillé ensemble pendant 8 mois, il me semble, Raphaël, il y a 2 ans, sur vraiment une période assez longue. Et j'ai vu des résultats absolument incroyables dans cet espace du temps. Ça m'a énormément aidé à la fois dans le golf, mais aussi en dehors. Et là, à travers ce live, j'ai appris des choses que et je me dis, putain, j'aurais dû profiter plus de Raphaël, j'aurais dû lui poser plus de questions. Encore, on est toujours à côté. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, merci encore, Raphaël, pour ton temps. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement, mais s'il est prolongé, peut-être que si l'audience, ça les intéresse, à ce moment-là, peut-être qu'on refera un live et on fera un live dédié à un autre sujet, peut-être sur la prépa physique ou sur la mobilité. Je sais que Avec grand plaisir, je sais grand qu'en termes plaisir. de mobilité, je te vois souvent quand je vais à la salle, tu es toujours en train de travailler sur la mobilité et tu es tout le temps en train de l'incorporer dans les séances de tes clients. Donc peut-être qu'on pourra faire une séance là-dessus. Enfin bref, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes. Et puis on refera appel à toi avec grand plaisir si tu l'acceptes, bien évidemment. Bah, avec grand plaisir. Vous savez où Petit me message du trouver. journal du golf qui. Alors, je vais te lire quelques commentaires parce que c'est vrai que tu me vois uniquement sur Skype, tu ne vois pas les commentaires, mais il y a vraiment pas mal de personnes qui te remercient. Raphaël, il y a Yann Barry qui dit merci à vous pour ces infos. Jean-Philippe Serres qui dit merci Raphaël, tu es au top. Il y a Chloé qui dit merci beaucoup pour les deux lives. J'ai appris beaucoup de choses, surtout concernant la digestion. Martha qui dit c'est super sympa de nous donner de votre temps. Merci beaucoup. Frédéric Santier qui dit super. Voilà, donc juste pour te dire, Raphaël, qu'il y a des personnes de l'autre côté qui sont en train de t'écouter. Je sais que toi, tu ne peux pas les lire, donc c'est important de partager avec toi toutes les personnes qui te donnent, qui t'envoient des bonnes ondes. Eric Sanger qui dit merci beaucoup pour ces très bons conseils. Bob Maurice qui dit merci. Christophe Lacroix qui dit merci, Raphaël. La classe, Martha qui, bon, ça je l'ai déjà lu, et puis le dernier commentaire du Journal du Golf, merci à tous pour votre fidélité. Demain et dimanche, rendez-vous à 10h, vous retrouvez le coach Cyril Le Guazigo, qui est responsable TPA en France, et ce sera un petit peu votre réveil matinal, donc demain, 10h et dimanche. N'hésitez pas à le faire avec vos enfants aussi, en ce moment je vois pas mal de coachs sur les réseaux je sais que. Dans mon immeuble, je croise beaucoup de mes voisins qui ont des enfants et qui commencent à devenir un peu fous. Donc, n'hésitez pas à les épuiser en faisant des séances de sport avec eux et invitez-les à les faire avec vous demain 10h et dimanche 10h aussi. Et Raphaël, j'espère qu'on se retrouvera très très rapidement pour un prochain live. Reste connecté avec moi, Raphaël, je vais éteindre le live et puis on se parle sur Skype juste après. Et puis pour vous tous, je vous souhaite un excellent week-end et pour ma part, on se retrouvera lundi.
J'aurai l'occasion d'être en direct à 14h avec le joueur européen Nicolas Colsart, le Belgium Bombers, et qui a participé à la Ryder Cup. Il a gagné l'Open de France l'année dernière. Il va partager plein de bonnes choses avec nous. Donc, ça va être super d'avoir Nicolas avec nous. Et mardi, j'aurai Pauline Roussin, qui est numéro 1 mondial amateur. Donc, qui sera là aussi avec nous à 17h mardi. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end et bonne soirée.